Qu'est-ce que nous proposons aux Congolais? Très simplement. Notre vision, c'est d'offrir, d'abord, de bâtir une nation congolaise prospère. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Béni, 8 millions de morts, Joseph Kabila responsable. Bonsoir, bienvenue à l'émission d'Abdou les Congo. Les Congo, ils ont émission au bureau parental, surtout la France en République démocratique du Congo, dans la diaspora, la diaspora, dans la République démocratique du Congo. La soirée à l'élo, tous allés à Awa, à Paris, minuit, entre les 30 et les 31 juillet 2016. Journée à l'élo, les 31 juillet à Kinshasa, tout le monde meeting et que ça, il y a opposition rassemblée avec Etienne Tshisekedi et Dinala Alienae. Bakosala on a Tata Raphaël pour essayer un peu de voir comment Bakoki mobiliser le peuple congolais au cas où l'élection est salamité dans la République démocratique du Congo. Mais c'est pour cela qu'on a invité Vision, il y a Martin Fayulu pour président de la République démocratique du Congo. On a invité Baron Potomera pour analyser la situation actuelle la République démocratique du Congo et aussi tout le monde rapporte vraiment à ce qui est la diaspora parce qu'aujourd'hui c'est la diaspora qui dirige le Congo et aujourd'hui Vision il y a Martin Fayulu pour la présidence de la République démocratique du Congo basé aussi la diaspora donc je rappelle que Nazalina Monsieur Patrick Mamon allait porte-parole et trésorier et aussi Monsieur Johnny Chimaranga allait chargé à mobilisation il y a Vision Fayulu pour Vision Fayulu, président pour la République démocratique du Congo. Merci, bonsoir. Bonsoir, Andreas. Voilà, bienvenue dans le Congo. Alors, on a invité Bimon pour essayer quand même de nous parler sur la journée à l'élo. Le quoi, tout à l'heure, on a bouton, de nous parler un peu ce qui va se passer dans le meeting aujourd'hui, à Kinshasa. Tout le monde, l'autre camp, soutenant le Kobabongo, Bakabiliste, puis la salle du meeting à Bango. Alors, votre réaction, parce qu'ils ont parlé de plus de 300 000 personnes dans Tata Raphaël, mais nous avons l'impression que. Peut-être qu'on s'est trompé dans la chiffre. Vous, lorsque vous entendez les kabilistes dire que non, Bango va organiser un meeting avec 300 000 personnes dans un stade qui contient au moins 30 000 personnes. Votre réaction, s'il vous plaît. D'abord, Andreas, merci. Je vais me référer à la chanson « Taboulé à Yemba Kakala ». Oh, eloko elingi moto, atako bo pekisi boko kamwa, atako bo ke inanda ko yanganga, bolingweza li elope banina damu na eva. Tshisekedi akomi na Kinshasa, apesi moto un fronte. Kongole atelemi, eloko elingi kongole, atako pekisi boko kamwa. Babengi ba kongole, bakende, na meeting, on les soudoyant. C'est triste. Makambo, il est là, on attend mon bout. Et ces vautours-là, il y a des démons, des balalaki, des balamouki, des bazongi, des makambo. Coupé ça, tu as un bon goût, qu'on joue dans ma chiffre. Au monistade à plein de Saint-Denis, où ils sont à Paris, ils ont 80 000 personnes. Ça donne un compte à deux ou trois fois dans le stade Tata Raphaël. Stade Tata Raphaël, ils ont 30 000 personnes. Alors, ils ont un ami. C'est pour cela, tant que vous c'est très important. Lorsque vous parlez de l'arrivée de Tshisekedi à Kinshasa, Tshisekedi est arrivé, il peut passer Péli, que Tshisekedi faudrait faire partir Kabila a quitté le pouvoir en 2016, élection ou pas. Maintenant, Tshisekedi à Kinshasa. Et après, qu'est-ce qui va se passer Tshisekedi à Kinshasa. Natongo Alelo, nous avons déjà les 31. Natongo Alelo, population, autant que la Makolo. Ceux qui sont dans les arènes, ils ont tout. Mais population, à aucun makolo. Ti inexplanable d'Oyo, Tshisekedi Rukoma. Tous en a besoin de Tshisekedi. Il a beaucoup milité et il a toujours été constant. Ma proposée à Boya. Il a été se faire soigner. Alors lui, non, il faut que je rentre. Nakanisi, Natongo Alelo, Tokoyoka. Alors, j'avais un peu, n'a pas, mais c'est Johnny Chimaranga, porté-parole en Abidjan, pas en charge de la mobilisation, mais c'est Johnny Chimaranga.
Nous avons allé fort à Tien Tshisekedi. Tout le monde, Martin Fayoul, a joué un grand rôle pour Tien Tshisekedi. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce qui va se passer aujourd'hui à Kinshasa? Est-ce que vous êtes capable de rassurer la sécurité des Congolais aujourd'hui? Merci, M. Andreas, pour la parole. Concernant la sécurité, tous les gouvernements ils sont informés, mais c'est le gouverneur de la ville. Il a été informé, comme l'Oiseau Senga se voit sa manifestation. Il faut qu'on informe, il a été informé. Mais concernant notre engagement, la première Natiseke dit, au jour d'aujourd'hui, contexte, tout ça, dans le contexte, la démocratie est en danger. Tant que la démocratie est en danger, le père de la démocratie, c'est M. Etienne Tshisekedi. Ce qui tout ça, Simanae, il a dit pour soutenir, il a incarné, parce que lui, il incarne la démocratie au Congo. L'histoire ne change pas. Ils ont dit que c'est qu'il y a incarné la démocratie. Quand la démocratie est en danger, c'est tout à fait normal de s'accorder à ce qu'il dit pour instaurer la démocratie. Il y a déjà. Mais M. Kabila a défié la démocratie. Mais c'est ce qu'il dit, il y a le père de la démocratie. Il y a incarné la démocratie tant qu'il a envie. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel à défendre. Mais lorsque on dit que Étienne Tshisekedi est le père de la démocratie, est-ce que ce n'est pas parce que Martin Fayoul est le fruit de la politique de Tshisekedi qui est Ozolo Bango, ou c'est dans le bon sens que Tshisekedi vraiment qui soit le père de la démocratie? Non, histoire les Angolais, les Alliés, tous en avaient histoire. On peut même retourner depuis le temps de Mobutu, Tshisekedi toujours. Il a incarné cette lutte démocratique, mais je me rappelle aussi dans le temps, Thomas Kha, dans la marche chrétienne, c'était Tshisekedi qui était notre leader. Aujourd'hui, son Martin Fayoul, le premier Tshisekedi, ce n'est pas pour, parce que Martin Fayoul, lui aussi, c'est un démocrate aussi. Parce qu'on l'appelle aussi, oui. Parce que, à notre connaissance, nous avons l'impression que Martin Fayoul, en cas de opposition, c'est comme si Azar enfant chéri à Tshisekedi. Et ça, Makamouya, qui est enfant chéri, au moins, le Congo, tout le monde construit le lobby, et ça dit, le Congo, il mérite. Nous sommes là. Les autres, tout le monde, dans le Congo, c'est n'importe qui veut s'improviser. Na Congo, ma Cameroun s'improvise le lézard sous-souté. Congo toujours le bundé la lélo, nana yona bande comme sous-sou, et ça dit Congo a mérite. Ce qui de l'eau, Martin Fayoul, Pembe Niati Sekedi, place sur la zone en Ouzali mérite par rapport au parcours naïe, par rapport au engagement naïe sur le terrain. En parlant de la diaspora, en parlant de mérite au lobby, d'ailleurs même, ils ont fait partir, on a un point où ils ont fait tomber M. Kabila aujourd'hui, a échoué parce que M. Kabila a fait appel à la diaspora. Diaspora pourrie, diaspora qui représente les Congo, qui représente Bissot dans la diaspora à Kinshasa. Parce que ces diasporas sont proches de Kabila. Bango Moutou, Baza, incapable de couper sa vision, comment reconstruire la République démocratique du Congo. Baza, plus, tu as Djalelo, si je peux me permettre de dire ça, Baza, pour induire Kabila dans la erreur, quel président, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, Kabila se retrouve dans un échec. Alors vous, aujourd'hui, vous intégrez la vision Fayoul président pour la République démocratique du Congo. Est-ce quelle différence est-ce entre Bino, la diaspora, Olololo, Bazan et Kinshasa, qui accusent, qui même, moi je peux dire que ce sont les gens qui n'ont pas pu travailler correctement en Europe. Qui est souffrance, comme la Kinshasa, et ils insultent la diaspora d'ici que non, Boussala Kabécha Foudage, Boussala Kabamissala Passi, alors que eux, Bango, à Kinshasa, Bazani Koko, ça le pouvoir en place. Vous, quelle différence entre Bino et la diaspora? Est-ce que vous ferez la même chose? Et pourquoi vous ne ferez pas la même chose? Il y a diaspora et diaspora. Diaspora, Oyo, Bazonga qui, pour nous aucun de Kouyiba, Mouyibi, il y a toujours Mouyibi. Si Koyo, Kabila, il y a aucun de Kouyiba. Yo, Oye, Olo, au salapon en Bokanayo, au lingi, au tonga immeuble, boutou boutou. Mais Mboka, mon nom, aux gens, moi. Ma classe, au tanga qui awa. Tina, mon nid. Ma raison, mon nom, Fayoulou, Martin Fayoulou. Attends, il y a la France, à qui aussi, qu'on parachève l'étude, dans les États-Unis. Il aurait aussi pu faire pareil. A Tiki Misalanae, à lui, non. Il faut la zone là. Il faut la zone là. La preuve. Présente Tshisekedi, Abino, moi, on a tout travaillé. Pour avoir une valeur, il y a Fayoul. Dans les arènes,
ils ont des anti-valeurs. Il y a une valeur, il y a ma classe d'anguité. Il y a la valeur sur mon côté. Puisque le pays n'a pas dit ça. Et ça n'est pas des droits. Et ça, c'est. Et là, il faut le défendre. Trois points. État des droits. Création de nos richesses. Il faut que le partage soit égal. L'impartialité, il y en a pas richesse, il y en a pas. Et investir aussi dans la citoyenneté, ça, c'est des valeurs que. Fayou l'a incarné. Ou a zoné dans mboka pour nous travailler. Mais ceux qui ont zoné dans mboka, au tiki poto, au kei, pour aux alokos là-bas, dans mboutu, dans zalaka, ils ont mon ami. Je pense que la réponse est la question. Si je peux compléter un peu par rapport à diaspora, la différence qui est au Yogan, au Golobalelo, et la différence, il y a. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde dans la diaspora, il y a trop de postures. Tout le monde a se positionner, tout le monde va se positionner par rapport à quoi. Mais nous, nous représentons la diaspora au bazar au Bundela Mboka, l'intérêt général. Tu vois, tout le monde a s'engager pour Mboka, pour le Congo. Tout le monde a posté la politique, le leader politique, c'est sur le terrain, comme le matin Fayoul. C'est le leader politique, il est sur le terrain. Le bazar est l'incarnation. Ah, on a pour tout le monde, on a sa alliance, on a élargi, on a comprendre que, na pour quel but. Ce qui est au Bunda, au jour d'aujourd'hui, ils allaient tomber au Bunda pour Namboka. Mais ça c'est très important parce que aujourd'hui ma partie politique, ils a dirigé pareil que le mouvement, et l'orchestre, la musicien en Congo. Parce que les gens, ça plus, déjà les gens, ils ont toujours bas de la cabane. Est-ce que non? Aujourd'hui, vous ferez la même chose que Fayoulou. Est-ce que beaucoup aveuglé Fayoulou dans l'idéologie de la vision? La vision Fayoulou, tout ça, vraiment, il y a la liberté. Le but même de la vision Fayoulou, c'est la communion entre les leaders Fayoulou et les peuples congolais. Merci beaucoup. Tout le monde pose la vision. Les Congo à L News, première chaîne d'info. Je vous dis une chose, Nakenda Jenval. Je vous le dis, mon Dieu, que je sers maintenant. Je n'ai pas bu un seul verre d'eau au Yakuna. Un. Je n'ai pas mangé tout ça. Les gens m'ont vu. Les gens de l'ECID, les membres de l'ECID se sont organisés. Nous, notre groupe, Bazavoya Manini, j'étais là avec Ingele Ifoto, avec, Joe Lengankoi. J'étais là avec les amis, les vieux. Donc, nous, moi, je n'ai pas mangé quoi que ce soit de là. On a bâti ma chambre Kuna. J'ai dit non. Chambre Kuna, la ville. Place Roger, prends une chambre d'hôtel là-bas. Que voulez-vous? Moi, je travaille pour le pays. Aujourd'hui, je ne devais pas être ici. Parce que j'ai des procès. Mais ça, Kuna, pour un hôtel, là, il y a un loyo. Je devais rester au pays. J'ai intérêt. Je pouvais trouver une excuse. Je reste parce que Nassala Vanini. Mais je suis venu pour, comme disent. Les Kinois jumelés. N'a vigilé Natala. Est-ce que bah, ça, la Makamba, Babé, c'est Makamba, Maya, Mboka? Non. Donc, calmez-vous, tranquillisez-vous. Ce n'est pas moi qui pourra vendre des pays. Je vends des pays pourquoi? Je vends des pays, dites-moi pourquoi? Pour les Onini. Je n'ai pas besoin de rouler dans Menine, comment dire, on a vu. Voiture de luxe, je ne sais pas quoi. Moi, j'ai besoin de vivre normalement et de travailler pour le pays. Ça n'a besoin, on parle à basse de l'été. Ça n'a besoin, on ne peut pas de l'été. Non. Si l'argent que je prends à l'Assemblée nationale, j'ai des enfants, des orphelins, j'ai des gens qui n'ont pas. Je suis fier de voir que grâce à cet argent, aujourd'hui, il y a des gens qui ont terminé les études universitaires. Ah, bravo. Que je paye. Grâce à cet argent, certains orphelins et Bazoko Mona et Nini. Nous avons payé ça, Nini. Grâce à cet argent-là. Mais ce n'est pas pour moi. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Les Congo à L News, première chaîne d'info. Je rappelle que nous avons accompagné par Vision Martin Fayoulou, président pour la République démocratique du Congo. Alors, je rappelle que nous avons M. Patrick Mamou, Azali,
porte-parole et trésorier, et aussi M. Johnny Tshimbalanga, vous avez chargé à mobilisation, il y a Vision Fayulu, président pour la République démocratique du Congo. Alors, messieurs, tout à l'heure, nous avons parlé sur l'arrivée de Tshisekedi, nous avons essayé de parler sur beaucoup d'autres choses, mais aujourd'hui, c'est très, très important. Vous êtes de la dynamique d'opposition. Aujourd'hui, dans cette dynamique d'opposition, il y a un problème sérieux. Nous avons l'impression que certains ne respectent pas les accords de Jean-Val. Parce que comment s'appelle M. Kamere, qui dit que j'accepte les résolutions à Jean-Val, mais je n'accepte pas Jean-Val. On comprend rien. Et d'un côté, et aussi, lorsqu'ils ont critiqué ces dialogues, de ne pas participer à un dialogue, et on s'étonne parce que les membres et la dynamique d'opposition sont avec Kodjo. Qu'est-ce qui se passe, vous, la dynamique d'opposition? Est-ce qu'elle vous a civilisé? Pourquoi aujourd'hui vous vous chamaillez? Nakolo Baboye, Andreas, tu sais, dans la vie, il ne faut pas que vous allez chauve-souris. À moitié Ndeke, à moitié Mpoku. Donc, la cantine à l'obin à Mouzindo. Encore, il y a Jean-Val. Ce qui est le lot, dynamique, UDPS, n'a pas parti, nous sommes pas sans de l'eau, et ça lui force. C'est grâce encore à Jean-Val. Encore à Jean-Val et l'obinini. Et ça a 11 points. Il faut l'organisation des élections dans le délai constitutionnel et de l'élection présidentielle avant le 19 décembre. On a la condition pour Basangana. Et la dissolution des formations politiques ayant adopté le même dénomination, symbole et signe distinctif que le parti politique régulièrement constitué. Point Moussous. La mise en œuvre intégrale de la résolution 2277. La libération immédiate et sans condition des détenus politiques et d'opinion. Le retour au pays de tous les exilés politiques. La libération de l'espace politique. L'ouverture des médias privés arbitrairement confisqués. Le libre accès aux médias publics. À tous les courants politiques et sociaux. L'arrêt et l'abandon des tracasseries fiscales, administratives, policières. Examen de la question de l'organisation et du fonctionnement de la CENI. Et après, tu es face à mais à qui vous parlez, Ndeke? Parce que c'est très important. Mais parce que les Congolais aujourd'hui sont sensibles à la vérité. Ils ne veulent plus proverbe parce que lorsque vous parlez de la code, ça embrouille la population. La population a besoin de comprendre qui est vrai, qui n'est pas vrai. Lorsque vous parlez de chef Ndeke, il faut bien préciser les choses. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, je prends Albert Moleka, aujourd'hui Eve Bazaïba, aujourd'hui M. Mokia, ont consulté Monsieur Kodjo. Alors, lorsque UDPS, Tshisekedi consulter Kodjo, les gens critiquaient, même vous, vous avez critiqué. Mais pourquoi aujourd'hui la dynamique d'opposition, certains vont voir Kodjo en privé? Franchement, c'est désolant. Moutouan a changé la constitution à Mokanae. Mission serait bien moi. Et quand on a un peu de temps, on a 400, tout comme ta boîte, tout comme on a posé dans mon tour, on a mis un peu de temps, et ça, on a Ebola. Si on a Ebola dans la RDC, c'est regrettable. Je prends M. Johnny. Alors, aujourd'hui, si. Je ne sais pas, aujourd'hui, si M. Sassou Nguesso, c'est très important lorsque vous dites que Bakatisaki, Bakébraza, aujourd'hui, si M. Sassou Nguesso cherchait à s'associer à vous, à l'opposition de Jean-Val, si je peux dire ça comme ça, il vous tend la main pour essayer de travailler ensemble. Est-ce que Bokobo y a un mot? Parce que les autres l'ont fait. Est-ce que vous suivez battre nos mains? Est-ce que Boko refusez à nous et pourquoi? Mais c'est déjà, M. Sassou, il incarne quoi? Il faut se poser des questions. Quand on fait des alliances, on regarde des valeurs, on regarde l'idéologie. Comment tu peux associer un bloc comme ça, tout le monde dans le Congo, comme vient de dire mon collègue Patrick Mamou,
et biloko wana o ya sala ngona mboka na ye et bon biso to kendo kwa société na ye, c'est insensé, ça pas de sens. Il y a moto se poser des questions quand tu demandes banane bandeke patoba bandeke, c'est tous ces politiciens, tous ces hommes politiques qui sont contre les rassemblements. Donc Patrick a auto énuméré tous les articles par résolution il y a Genval. Mais surtout à Yango, mais ils ont prôné la démocratie. Ils ont prôné pression au Mongoboye. Il y a pouvoir aux assis sur place pour céder à la revendication du peuple. Mais l'autre monde a un leader politique, des hommes politiques qui se mettent, qui s'élèvent contre Genval. On se pose des questions. Là, pour moi, j'ai dit au-delà, il y a Bishop Batonza, mais pas ça, Moussa Anaé. Il livre des hommes politiques, des faux hommes politiques en spectacle. Nous le voyons. Et lorsque vous parlez du dialogue là aujourd'hui, parce qu'il y a eu un problème à un moment donné, vous avez refusé ce mot dialogue. Vous avez toujours refusé mon dialogue, mais lorsque j'ai entretenu avec votre président Fayulu, il a parlé de résolution 2277, alors que 2277 c'est aussi le dialogue. Voilà. Il n'y a pas un tabou. Mais vous, l'opposition, vous fouillez ces mots de dialogue. Vous choisissez la résolution 2277. C'est ça qu'on ne comprend rien. Alors, lorsque vous parlez de la résolution 2277, Kabila aussi l'a accepté maintenant le panel. Kabila a accepté ces panels-là aujourd'hui. Oui. Lorsque vous allez dialoguer avec Kabila, parce qu'il faut savoir aussi, il faut dire la vérité aux Congolais, qu'il y aura une transition peut-être de 17 mois. Parce que Kabila a fait pression, il veut diriger cette transition de 17 mois. Alors, vous qui faisiez appel au panel, avez-vous accepté cette transition avec M. Kabila ou comment? Parce qu'il faudrait, c'est maintenant ou jamais. Lorsque les Congolais, Bago Silica, et là, ils vous pointeront du doigt aussi que vous faites partie des gens qui laissent Kabila au pouvoir au Congo. Jusqu'à présent, nous prenons le statut, c'est-à-dire, la Constitution. Nous prenons la Constitution. Constitution comme loi Bible. Ce qui est l'eau, tout le monde est en phase de transition. Tout le monde est en constitution. Au cas où le président de la République a failli, là, il a failli à sa mission. Il arrive à la fin de son mandat. Non, il arrive, il a failli. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu prendre tout en amont. L'amont, c'est quoi? C'est la montagne. L'aval, c'est quoi? C'est le bas. Et maintenant, il arrive en aval, Pourquoi tu n'avais pas. D'abord, on était en France. Hollande a zo okende. Est-ce que Hollande a bien opposition pour Yatoyokana? Mais pourquoi vous dialoguez à ce moment-là? Non, Yalingi a glissé, mais trop ça a été en maté. Toko sa constitution, où. Dans la constitution, dans ces cas-là, c'est le président du Sénat qui prendra le relais. Mais, la constitution, le président du Sénat a glissé, ça fait plus de 5 ans, lui aussi a glissé. Parce que les kabilistes vont faire glisser. Parce qu'il faut savoir que élire le gouverneur et aussi nommer le gouverneur par le député au Bazaki n'a mandaté. Et ça, c'est ça, la constitution l'a vu sauter. Ça, c'est un crime contre la constitution à RDC. C'est-à-dire que le député va glisser, va voter le gouverneur. Et aussi, le président du Sénat, M. Kingwadonde, il passe à glisser. Alors, si Kabila n'organise pas les élections, vous donnerez le pouvoir à un monsieur qui a glissé plus de 5 ans. Il s'est tiré, M. Kabila s'est tiré le bal dans son pied. Alobi, je vais jouer avec le mot. Mais il s'est fait piéger de lui-même. Tout est dans la constitution. Il y a trois ou quatre mois pour organiser l'élection dans la règle de l'art. Et tout sera réglé. Au lieu de jouer dans le mot, tu t'es fait piéger de toi-même. Le président du Sénat, même tout le monde avait glissé dans ce pays-là. Même député, tout le monde a glissé. Et tout est dans le glissement, mais dans la règle de l'art, en respectant la constitution. C'est pour ça que vous évoquez ces points 2277 qui est dialogue pour faire du glissant contre Kabila, très bien. Non. Parce que dans ce dialogue-là, on risque d'avoir une transition de 17 mois avec Kabila. Sans Kabila, puisque il y aura la communauté européenne, Oni à Rosala. Francophonie. Pardon. Francophonie à Rosala. Union européenne à Rosala. Et puis unité africaine. Tout le monde dans un autour d'une table. Par contre, c'est voilà, la constitution est là. Au cas où, c'est le président du Sénat qui prend le relais. Il est temps, monsieur. Bye bye. D'accord. Alors,
Oui, vas-y. Moi, je voulais juste compléter par rapport au dialogue. Quand vous parlez des dialogues, les dialogues format Kabila et les dialogues 22-77, c'est deux dialogues différents. Deux dialogues différents parce que les dialogues format Kabila, c'est Kodjo qui mène les pourparlers. Donc, cela veut dire que Kodjo Nde a Kopona. Ma membre au Barozana, comité préparatoire. So, Monsieur Kodjo, tu es bien que nous ayons dans notre table les réseaux sociaux, Azali Moutoyo, Azo Panché puisse n'a pouvoir en place. Donc, du coup, on n'a pas confiance à ce monsieur. C'est pour cela qu'on a mis des rassemblements, Bazali, qu'on prenait dans le dialogue il y a 22-77. Le dialogue à 22-77, il a formé Oyo, Boui Kodjote, Kodjo Azali, il représente l'Union africaine. Et puis, Tosengi, Union européenne, Baya, Tosengi, Américain, Baya, Tosengi, Francophonie, Azala, comme ça, Panel, Luana, Bangoutou, Basala, va consulter les rassemblements, va consulter pour voir la place, à partir à l'année, va retirer l'ordre du jour. Quand tu me parles de la transition, Yapsé, la transition sur base de quoi on peut parler aujourd'hui de la transition? Merci beaucoup. Juridiquement, ce n'est pas, on ne peut même pas parler de la transition aujourd'hui. Merci beaucoup, tout marqué des impôts et tout revenir. Les Congo à L News, première chaîne d'info. Merci. Merci. Merci, Président. Vous m'avez ramené dans mon enfance. Les Congo à L News, première chaîne d'info. Continuons à prendre là-dessus à Souka. Nous allons parler sur la vision Martin Fayulu, président. Aujourd'hui, vous parlez de Martin Fayulu, président. Pourquoi aujourd'hui? Je ne sais pas. Pourquoi seulement vous parlez de Martin Fayulu, président? Alors que, est-ce que Moussali travaille assez énorme pour que Martin Fayulu aujourd'hui soit président de la République démocratique du Congo? Qu'est-ce qui vous a poussé à penser que Martin Fayulu, président de la République démocratique du Congo? Makambu, déjà, il y a le président de la République dans la Makambu, il y a un individu. Lui-même, président Fayulu, en tant qu'individu, il est prêt, il s'est prononcé. On a eu un congrès, la partie SID, on a investi en tant que candidat à la présidence de la République. Et nous, en tant que membres à SID, en même temps tant que les Congolais, nous, tout autant, Makambu, de casser le terrain, nous regardons c'est qui un compatriote au Azali à la hauteur. Ouais, elle est prêt. Ouais, elle a un parcours constant. Ouais, elle a représenté par Valère. Tout à l'issue sur le terrain, tout le monde est là. Mais c'est Martin Fayulu le jour d'aujourd'hui. Ouais, elle a un autre Colongono, un autre Makassi. Tout, bah, Nini, comme on dit, tout, bah, critère, elle a rempli en gros. Pour elle a un bon candidat. Alors, je reviens vers monsieur Mbamou. Alors, pourquoi vous faites confiance à Martin Fayulu? Oui. C'est un monsieur qui a la probité. C'est un monsieur qui est honnête. C'est un monsieur qui a toujours marché droit dans sa vie. Je ne dis pas. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il est droit dans sa vie? Non, oui, c'est vous, Andreas. Fayulu a dirigé une grosse structure, ExxonMobil. Il avait commencé comme un auditeur à Kinshasa. Na Zaïre à l'époque, c'est un monsieur étant, un talent au Sénat, à qui Batindi na Côte d'Ivoire comme directeur général ExxonMobil, à celle na Mali, à celle na Éthiopie, à celle na Kenya, à celle même na France, na défense, à quel États-Unis pour ça. Mais du jour au lendemain, il a dit non, je rentre au pays. Je pense que c'est un homme Oyo à Rotomblamboka. Est-ce que lorsque vous regardez, aujourd'hui, je peux dire votre Fayulu, parce qu'il vous appartient pour l'instant, vu qu'il n'est pas encore président, pour qu'il soit pour les Congolais. Lorsque vous regardez, vous observez, vous regardez dans les yeux de votre Martin Fayulu aujourd'hui, est-ce que vous ne faites pas lecture et à peur, Katinaï? Katinaï, pourquoi? Puisque Moka, Oebi Moka, pour les Malam, il a trois valeurs, dans l'auteur de Monsikoyo, état des droits, la création des richesses et puis investir dans la citoyenneté. État des droits, Isanie. Ils ont trois pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Ces trois points-là. En gros, la chose à sauter.
on a les boyer, mais ils m'abattent le pas mon ayo. Au commun, un ministre, un colonel qui construit tout un immeuble, mais a vu mon ouapi. Il a quoi comme usine? Mais lorsque vous parlez de ça, parce que lorsque vous parlez de l'état de droit, c'est tout le monde aujourd'hui qui se dit, lorsque on entend Etienne Tshisekedi qui dit un état de droit, on va chez vous un état de droit, on va chez Moïse Katoum un état de droit, on va chez Kamere, MLC, tous dites un état de droit. Mais comment pour créer un état de droit? Parce que lorsque vous passerez aux affaires, les kabilistes ont dit, que ce soit même les mobutistes, tous, ils ont dit qu'ils ont créé un état de droit. Et d'ailleurs, même qu'aujourd'hui, si vous vous passez au pouvoir, vous ne ferez pas la même chose que ces gens. Ça, c'est très important, parce que vous, lorsque la population vous appuie, nous avons l'impression que lorsque vous arrivez aux affaires, vous oubliez tout. On n'arrive pas aux affaires comme ça. D'emblée, tu prends les affaires. Les affaires, ça se mérite. Il y aura... Moi, je souhaiterais qu'il y ait le primaire, que bah, candidat Oyo Banimba est capable, il a le sang de diriger le Grand Congo, où il a lobby les rayonnements de toute l'Afrique, comme avait dit Lumumba, et ça, c'est l'inspiration de Martin Fayulu. Mais c'est intéressant. Par rapport à ça, nous devons aussi voir les parcours de nos politiciens, tous ces politiciens qui prétendent devenir président. Ils ont un parcours. Et quand nous regardons les parcours de Martin Fayulu, il faut tout à la parcours où nous sommes les Congolais, tous les mondes, mais tous les mondes. Il faut tout à la canaille, tous les mis sur Koufi. Martin Fayulu a un parcours. Il y a un professionnel privé, à s'engager en tant qu'acteur de la société civile. À partir de la bande parcours politique. Depuis, on a tous les jeux politiques qui ont se passer dans le Congo. Rien ne se passe sans que Martin Fayulu soit artisan. Au jour d'aujourd'hui, ce qui a commis le niveau a commis, c'est par rapport à son parcours. C'est par rapport à son parcours, par rapport à la maîtrise, il y a un dossier à Mboka, où il y a un ango, il y a impliqué, Qu'est-ce qui vous fait dire qu'aujourd'hui, le mouvement Vision Fayulu, président de la République, et conduire Martin Fayulu au pouvoir? Parce que Vision, je vais parler un peu de la Vision Fayulu. Vision Fayulu, président pour la RDC, ils ont dit projet à Congolais. C'est un projet de la libération. C'est un projet où Bissot doit s'engager. Tout ça, nous là pour nous convaincre que les Congolais sont congolais, que tout ça a un projet autre que l'Alexandre Mokili, que tout ça est mature, que tout ça a battu Oyo, Moutou et Salaka. Vous ne ferez pas la même chose que diaspora Oyo, Bakinga, Kinshasa, Oyo, Tompe, Kabila aujourd'hui. Mais Patrick, Abisso, Martin, Fayulu, Louis-Fi, c'est un diaspora. Attends, mais regarde ce qu'il faut. Oui, c'est très important. Mais vous, les gens qui entourent Martin Fayulu, c'est ça le problème. Parce qu'il y a la partie politique où je vis à la diaspora, comme la Kinshasa. Et très souvent, les représentants qui représentent ces mouvements, souvent, sont les gens des Djalélo. Est-ce que ces gens, est-ce que vous, vous ne ferez pas pareil que ces gens? Ça, c'est très, très important. Tout n'a pas cours, donc, pourquoi on a dit qu'il faut primer les Allahs? Pour chacun doit ramener son passé. Et son futur. Toi, Eba, qu'est-ce que tu avais fait dans le passé? Et qu'est-ce que tu as fait dans le présent? Et qu'est-ce que tu feras dans le futur? On a dit trois points. Tant que vous êtes dans la primaire, vous avez dit, soit comme un millionnaire, vous avez un jet privé, parce qu'il a de l'argent. Tu sais, tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. D'accord, donc là, la mouba maman Nabino avec nous ici. Alors, on a adressé parole et nous avons abandonné d'abord, tout abandonné à droite jusqu'à la gauche là-bas. Alors, tout abandonné à madame Françoise Lembe Lucie Nam. Bonjour madame. Bonjour aussi. Alors, tout le monde est au maman, aux a Nakati à Vision et à Martin Fayulu. Alors, et nous, on est salé que yo aujourd'hui, on se retrouve dans Nakati à Vision Martin Fayulu. Et nous avons
idée na biso malé malembe o ayé na ndambo idée vision fayé le zo senga kaka batunda mutezo senga ba mouvement nyoso mwana nyoso ya mboka Congo mama tata mwana a s'impliquer na kati ya vision failu pour na to kende li bosso parce que mboka eza malade. Merci beaucoup na jupe maman Geneviève Mbela. Madame, je ne sais pas, alors lorsque vous les femmes et pas Fayoulou, est-ce que vous avez la liberté d'expression? Est-ce que Martin Fayoulou peut aller au Kakaba, maman? En tout cas, merci pour la parole. Président Martin, en tout cas, aller au Kakaba, maman. Aller au Kakabiso, et puis toi, la liberté totale, Yaroloba. Donc, vraiment, c'est un monsieur qu'il faut à la place. Et puis, Ngaï Nazo a interpellé ma maman, ma papa, et Bana, y a un mot cannabiso, batte les mains pour un mot cannabiso. Pour un mot cannabiso, et Zonga, Ngaï Zalaka Kalakala. Et puis, Bana, ba Zonga, ma classe, ba hôpitaux, et Zala bien, mais avec le président Fayoulou, ceux qui te soutenir, et l'eau nous soutenir, Zala en place. Merci beaucoup. Alors, je vais vite chez monsieur, Gilles Mbembe. Alors, aujourd'hui, les Congolais, quoi que Martin Fayoulou, c'est quelqu'un. Et Azar bien positionné pour être président au Congo. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, très souvent, les politiciens ont peur de parler de leurs points, des fois qui dérangent un peu, alors que c'est très important. Aujourd'hui, si on mettait Martin Fayoulou président, est-ce que Martin Fayoulou est capable de donner la vie à l'éducation de la République démocratique du Congo? Merci beaucoup pour la question. D'abord, c'est vraiment question Sengela qui. Éducation d'abord est primordial pour Martin Fayoulou. Et puis il est la seule personne où je vais vous dire un peu en un mot. Martin Fayoulou n'a jamais été dans un parti politique Mokobo Longwa Kei. Trahison n'existait pas chez Martin Fayoulou. Il y a 6 mois de cela, il a été le seul député, l'honorable, devant tout le monde, ça passait aussi dans tes écrans. À tout l'assemblée nationale, à tout le lobby, ce qui m'a fait un héros ou un franc, à tout le monde, c'est une personne qui est propre, il n'a jamais été corrompu. À l'Yambongo, à Moutouté, à Singapé, à Moutouté, il y a un peuple congolais à Fungoli Misou. Il y a 6 mois passé, puisque j'étais là dans Kinshasa, dans mon acquis, dans l'Assemblée nationale, à tout le monde, question. Puisque après ça, je suis en train de me faire un peu de temps, je suis en train de me faire un peu de temps, comme on dit. Mais, il y a des gens. Et puis, le peuple congolais, il y a des gens qui sont Merci beaucoup, parce que Basalina Sine, alors. Basalina Sine, bientôt comme la fin émission Labisso. Alors, nous allons juste marquer une courte pause. Les Congo à L News, première chaîne d'info. Donc, compléter ndenge ndeko Julien Mbembe a utilisé basi koyo. Omoni Obama. Qui est-ce qui avait cru à Obama? Lelo Obama zokende tête haute. Ayatan waza koya, Obama n'avait rien. Mais ba américain ba télémaki. Chacun avait donné. Moi, Ndambo, il y a un même qui Obama, dans la Maison Blanche. On a ouvert un compte pour Martin Fayoulou. Fayoulou a ibaté. Même 10 sengi, même un sengi a ibaté. Tout ce monde-là, dans les médias, ils ont bradé le Congo. Est-ce que vous avez des preuves que Martin Fayoulou n'a jamais volé? Il n'a jamais volé. Il a dit que l'Assemblée nationale a tellement. Alors, il y a eu un franc à tellement tout le monde. Alors, comment vous faites lorsque vous parlez des comptes pour la retirer à Mbongo aujourd'hui? Alors, comment vous êtes organisé? Alors, Mbongo, comment, à quel compte, à qui gère cet argent? Comment vous faites? Créer compte SID Vision Fayoulou. Compte on est un site auto dans le domaine de Sombi. Fayoulou président, soit au Kenya Google, au Betty Fayoulou, Vision Fayoulou président, au Komona, Rib et Zaliwana. Rib, on a mis des verrous là-dessus. Il y a 3 signatures pour Mbongo et Bima. Avant tout ça, il y a le Kouana, tout ça, il y a une permission à Martin Fayoulou président. Tout lui, voilà le projet qu'on a. Est-ce que vous nous donnez cet aval-là? Il avait mûri à. Depuis que le compte sera
transparent. Je rappelle aussi que la conférence Nabino à Paris, Martin Fayoud avait fait appel à Batouba soutenir Bamouba, soutenir Bino aussi, je peux dire ça, que Bamouba va contribuer pour qu'un mouvement Nabino Bamouba pour travailler dur aussi arriver à la présence démocratique du Congo. Et chose étonnante, parce que tout le monde est combattant aujourd'hui, il va chanter Martin Fayoud, le président. C'est la première fois, parce que les kabilistes cherchent à voir ces combattants aux côtés de Bamouba. Et même bien aujourd'hui, vos huit pas combattants, est-ce que vous vous apprenez aux assoins d'abord? Est-ce que vraiment aujourd'hui, les combattants vont être fiers aujourd'hui de Martin Fayoud? Oui, mais parce que le problème, c'est le problème de l'état d'esprit. L'état d'esprit combattant, c'est l'état d'esprit que Martin a sur le terrain. Les combattants vont être tout ça, mais Martin a sur le terrain. Ils ont adhéré dans le projet Martin. Il y a un moni lelo ba combattant ou ba conscient ou baza mature ou vraiment baza ba ba na, je peux dire ils ont le sens de l'intérêt général, parce qu'au jour d'aujourd'hui dans le milieu combattant il y a beaucoup de postures, hein, et ça trop de confusion. Mais ba combattant ou ba na sens et intérêt général ou ba obundela mboka ba soutenir Martin Fayoud. Alors to comme na souka moment il faut encore une émission. Ouais. Alors tout à l'heure vous venez vous parler sur vous parler sur Vision Labino, siège Labino. Alors nous avons 30 secondes pour clore notre émission. Non, je voulais juste encourager tous nos cellules, il y a Vision Fayoud, congolais bazo ba initiative partout. Je vois na Saint-Étienne, je vois Chantal Mambo, je vois na Lyon, je vois Toulouse. Je vois na Strasbourg, je vois Alpha, je vois na Liège, je vois Emery Fayoulou, et je vois na Lyon, na Zomo, na maman, moi, na Biso, Kombe Kimingaï, y a Lyon, bon, on a passé un beauté, Chantal Mambo, na Saint-Etienne, voilà. Et puis Toubadi, na Toulouse. Toza Awa, Toubadi, na Toulouse, Toza na maman, na Biso, Awa, y a Suède, maman Caroline Landou. Donc nous avons encouragé les Congolais nyoso au ba monaka que Martin Fayoud a osa bitumba pona mboka bisika bozabo multiplier ba initiative Vision Fayoud bo mobiliser les Congolais pour tout créer ba moyen tout tango na disposition à présent Fayoud pour même un message de libération na Congo mobimba, parce que Fayoud doit sillonner tous les Congo biso Vision Fayoud faut tout soutenir hier na démarche nationale mboka Congo mobimba pour un message de libération. Merci beaucoup, monsieur Johnny Chimbalanga. Je rappelle que vous avez chargé l'organisation et la vision pour Martin Fayoud, le président. Et aussi, merci beaucoup, monsieur Patrick Mbamoura, d'être porte-parole. Et aussi, trésorier, il y a Vision Fayoud, président pour la République démocratique du Congo. Merci encore à l'équipe technique, dans Mbamoura, dans les photos, dans la réalisation, qui a été mis en caméra, et dans la émission Les Congo. Nous te saluons beaucoup dans la page Facebook, dans la YouTube, pour partager l'émission, et dans Twitter. Nous te l'aurons toujours, je suis Congolais, Kabila Nature. À très bientôt. Béni, 8 millions de morts, Joseph Kabila responsable.